Salut. Aujourd'hui, je pars en mode ultra léger avec un sac de 26 kilos. Le but, c'est d'aller passer 15 jours isolé dans la nature. Le premier truc que je vais faire, c'est éteindre le téléphone. Hop. Voilà. C'est éteint. Donc je le rallume pas là pour les 15 jours qui viennent. Et puis bah ça part. J'ai une carte, j'ai une boussole. Et puis voilà, on verra. Alors la raison pour laquelle j'ai éteint le portable, c'est que il y a quelques jours, je me suis rendu compte qu'en fait, je passais à peu près 4 à 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Si on y réfléchit un peu, ça fait 35 heures par semaine, donc c'est un quart de ma vie qui disparaît nulle part comme ça. Et je me suis dit qu'il fallait remédier à ça. Donc là, l'idée, c'est de passer 15 jours sans rien de numérique et arriver à créer de nouvelles habitudes qui sont un peu plus constructives que celles que j'avais avant. Bon, je me suis couché à 19h, là il est midi. J'ai pas osé allumer le poêle parce que dehors tout est humide, j'ai peur de pas trouver du bois sec. Donc ça va être la mission d'aujourd'hui. Voilà, fin du deuxième jour. Aujourd'hui il a fait beau, donc ça fait vraiment du bien de sortir, même pour rien faire. Donc je pense que ça sera le premier truc que je ferai en rentrant, c'est dès qu'il fait beau, sortir systématiquement. Hier soir, j'ai attaqué un petit livre. Plaidoyer pour l'altruisme. Bon, ça fait 3 jours qu'il fait pas plus de 8 degrés là. Ça demande une énergie constante pour le corps de se réchauffer. C'est assez fatigant globalement. Je me plains pas. Voilà, il est midi là. Je fais la petite balade du jour. Non, j'ai des voisins. Ça doit être des estives pour l'été. Là, il n'y a personne.
Il y a deux gars qui sont passés en raquette hier. Ils étaient frigorifiés, gelés, avec des chaussures d'été là. Du coup, j'ai allumé le poêle là pour la première fois et on a brûlé tout le bois que j'avais coupé. Donc, rebelote aujourd'hui, je vais essayer de recouper du bois. Hier soir, il y a un animal à quatre pattes qui est passé juste à côté de la cabane là. Peut-être c'est un renard, je sais pas trop. On va aller voir plus haut s'il y a des traces. Ça, c'est des traces de lapin. Date peut-être d'hier, quelque chose comme ça. C'est passionnant de suivre les traces comme ça dans la neige. T'as l'impression que ça raconte une histoire un peu, tu peux lire à travers les jours. Bon, je viens de rentrer de la marche, là, j'ai mangé. D'habitude, c'est là où je prendrais mon téléphone pour scroller. En fait, je pense que c'est le moment où en fait, il faut faire une pause, mais une vraie pause. C'est-à-dire s'asseoir sans avoir l'idée de rien faire. Et en fait, naturellement, si on a quelque chose à penser, ben, le cerveau va y penser. Et sinon, ben, on peut juste profiter d'être là, éventuellement faire un peu de méditation. Travailler sur comment on se sent, comment le corps est, comment l'esprit est. Ça fait 5 jours qu'il neige là. Aujourd'hui, ça a l'air de se calmer un peu. Je vais essayer de monter sur les plateaux pour avoir un peu de vue et puis faire une journée un peu sportive. C'est amusant parce que là-bas il y a une cabane où j'ai envisagé d'aller. Ils ont l'air d'avoir construit un igloo. Peut-être aller voir alors. Voilà, je suis arrivé sur les plateaux là. C'est de la montagne où on skie. Aujourd'hui, ça fait une semaine que je suis en cabané. Une semaine sans téléphone, sans chauffage, sans douche chaude. Une semaine sans actualité, sans divertissement numérique ni musique. Et sans alcool non plus, sans malbouffe. Et en fait,
Bah, ça va super. Je m'applique à marcher 3 fois par jour, au lever, à midi et le soir. Chaque fois, ça fait du bien, ça réchauffe le corps, ça le réveille, l'esprit aussi. Ça permet d'éliminer un peu les pensées qui traînent. Sur les moments de pause, juste une chaise en face d'un paysage, ou juste 5 minutes de marche, au lieu de scroller sur le téléphone. Tout ça, c'est des habitudes que j'aimerais bien garder. Et je pense qu'en rentrant, la première chose que je vais faire, c'est avoir un téléphone juste pour communiquer, désinstaller tout ce qui est superflu. Et la seconde chose que je vais faire, c'est me rapprocher des associations des sans-abri qui dorment dehors l'hiver notamment. Voir si je peux pas faire un petit quelque chose. On a du soleil aujourd'hui. Je viens de finir le livre là, de 900 pages sur l'altruisme. J'ai appris énormément de choses sur l'altruisme au niveau individuel, sur les mécanismes, sur comment l'appliquer. Et ce qui est sûr, c'est que je vais l'appliquer dès que possible, dès que je rentrerai. J'ai appris beaucoup de choses aussi sur les groupes, sur le fonctionnement, les coopérations, etc. Ce qui est sûr, c'est que j'ai appris que tout ce qui était la coopération, le partage, la nature, c'était de facto avec le bien-être. Et je vais continuer de développer ça sur la chaîne. Pour vous montrer qu'on peut faire tout ça de manière responsable et écologique. Je vais continuer de faire des aventures où le principe, c'est de ne pas prendre l'avion et de faire des choses un peu nouvelles en Europe. Et si tout ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, à partager, à aimer. Et si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ah oui, j'avais un livre aussi sur que faire des cons. Alors en résumé, le truc c'est que la connerie c'est avant tout une situation avec des gens qui y participent, les cons. Et en fait, juste le fait de juger ça comme ça, c'est faire soi-même preuve de connerie. C'est deux mondes différents qui se croisent, deux visions différentes. Et le tout, c'est juste d'engager la discussion, de faire rencontrer ces deux mondes en fait. Et de chacun raconter le pourquoi du comment, raconter son histoire, le récit, et ensemble échanger. Le but avant tout, c'est d'apprendre de l'autre et éventuellement espérer que l'autre apprenne aussi de soi. Ces derniers jours, j'ai pas mal bouquiné. Et là, j'ai un peu plus de temps, donc je vais essayer de faire les à minima les couchers de soleil, parce que c'est le moment où les animaux sont le plus actifs. Bon, le soleil est couché, je vais aller faire pareil. J'ai rien vu là, ça fait 1 heure que je suis là, donc je vais rentrer. Alors j'entendais des bruits depuis tout à l'heure, en fait il y a un petit rongeur. Bon, qui se balade. Qui est en train de manger depuis tout à l'heure mes provisions. Regardez qui voilà. Bon, j'ai eu un peu de visite hier, donc j'ai accroché la nourriture en hauteur. Là, depuis une semaine à peu près, je dors sur la table. Depuis 3 jours, il a pas fait plus de 0.
Et hier soir, j'ai pas réussi à allumer le feu. Aujourd'hui, on va changer de cabane. Je vais viser une cabane qui a un peu plus de soleil et où les températures sont peut-être positives. Donc, je veux dire au revoir à cette cabane-là qui était bien rustique et qui correspondait bien au projet. Bon, c'est vraiment galère. Je sais pas du tout où est le chemin. Là, je vais essayer de traverser la rivière sur ces troncs d'arbres là, mais un peu sceptique. C'est passé, pas glorieusement, mais c'est passé. Et je crois que j'ai trempé un pied dans la rivière. Bon, impossible de retraverser après sans s'enfoncer jusqu'au genou dans la rivière. Là, je viens de remonter jusqu'à une piste au-dessus là. C'est vraiment galère. Voilà, donc je suis arrivé à la cabane. Il y a un groupe de 9 personnes, donc je vais sans doute aller dormir à l'igloo qui est là-haut. Cette année, je me suis lancé un petit challenge, c'est une fois par mois de faire un truc qui sort un peu de mes limites. Et dans ma liste, j'avais dormir dans un igloo. Donc ça sera l'occasion de le faire. Hop. Ah, donc on rentre par en dessous. Et hop, après c'est hyper grand. Voilà, là il y a l'entrée, c'est une fosse à froid ça s'appelle. C'est pour qu'il fasse bon dedans. Et après voilà, l'intérieur. C'est une première pour moi, j'ai jamais fait ça. On m'a prêté un matelas qui tient bien le froid. C'est cool, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. C'est hyper grand. Voilà, bon ben, c'est parti. En vrai, je suis trop bien. Bon, il est 8h30. Bah, c'était pas si pire. Bien trop chaud au début de la nuit, donc j'ai enlevé des couches et là sur la fin un peu froid quand même un peu donc voilà, c'était le cave de Chambéry là qui était de passage pour 2 jours donc on a partagé un repas ensemble, c'était hyper cool. Voilà l'intérieur du refuge qui est très confortable. Donc il y a une table avec plein de vaisselle. Il y a une pièce exprès dédiée au bois là. Et si on va par là, il y a un endroit avec des matelas qui est top. Ça change un peu de la cabane d'avant là, c'est un peu plus confort.
Là, c'est le retour de la neige aujourd'hui. Il y a 5 cm qui sont tombés cette nuit. Et là, ça tombe pas mal. C'est cool, c'est silencieux avec la neige là. Le dernier livre, le plaidoyer pour le bonheur, est beaucoup axé sur la voie du bouddhisme, notamment avec ses quatre vérités, qui sont reconnaître la souffrance, trouver ses origines, réaliser sa cessation et dans tout ce but-là, ben, pratiquer la voie. Et il propose notamment trois manières de gérer ses émotions que j'ai trouvées assez intéressantes. En ce qui concerne les émotions négatives, donc la première méthode, c'est d'utiliser un antidote, c'est-à-dire l'émotion strictement opposée. Soit à l'instant précis traiter cette émotion avec celle-là parce que ces deux émotions ne peuvent pas se cumuler, soit cultiver sa personnalité pour empêcher que l'émotion négative arrive en fait de facto parce que notre être n'est pas tendu dans cette direction-là. La deuxième méthode consiste à libérer l'émotion, c'est pas la réfréner, ce qui est très mauvais et ce qui nous trouble, ni même l'assouvir, c'est considérer que c'est juste un état mental. Et que tous les états mentaux peuvent aller, venir et s'évaporer. Donc c'est ce que le bouddhisme appelle la vacuité. Et la troisième méthode qui nécessite de connaître un peu mieux le processus des émotions, c'est pour chaque émotion négative, en fait, cette émotion-là, c'est un processus complexe qui est composé de plein de choses positives. Et l'idée, c'est de se servir cette énergie positive qui est inclue dans cette émotion, pour accomplir ce qui a suscité cette émotion. Voilà, donc plein de leçons apprises maintenant. Le but du jeu, ça va être de les mettre en œuvre dans la vraie vie et de me faire ma propre expérience, d'éprouver tout ça. Voilà. Voilà, dernier jour de cette retraite aujourd'hui. J'ai un sac bien plus léger qu'il y a 15 jours et une tête bien plus pleine. Là, il me reste une journée de marche à peu près pour rentrer. Voilà, retour à la civilisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais à remercier le partenaire de cette vidéo, KF Concept, qui m'a offert pour cette vidéo le trépied et les jumelles que vous avez pu voir. Je pense que ça m'aide vraiment à améliorer la qualité de mes vidéos, donc merci à eux. Un petit retour rapide sur le trépied, il est en carbone, ultra léger, de bonne facture, durable. J'ai mis un petit support pour la vidéo qui est vraiment très léger mais qui aide un peu à guider. C'est un trépied qui est génial parce qu'il est léger mais on peut accrocher un poids ici pour stabiliser vraiment le trépied.
Il peut se transformer en monopode en divisant ça, hop, très rapidement. Il se replie très rapidement. Il est hauteur d'homme surtout, ça c'est hyper cool. Et voilà, que dire? Ben c'est top, c'est du bon matos. Et les jumelles, c'est pour observer les animaux. Là c'est un grossissement x14, donc ça permet de voir vraiment très loin. Par rapport à la caméra, c'est l'équivalent de mon zoom max. Donc merci à eux pour tout ça, et puis je pense que ça servira bientôt dans d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo un peu originale par rapport à ce qu'il y a sur la chaîne vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en bas ou avec un petit j'aime et à me partager vos avis sur la question. Et puis je vous dis à bientôt et puis montagnez bien. Salut !